À l'été 1956, le FLN décide de porter la guerre dans les villes. Il sait que les attentats dans Alger trouveront une caisse de résonance dans l'opinion française et internationale. Pourtant, dans la ville blanche, la première bombe aveugle n'a pas été posée par le FLN. Le 10 août, une explosion ravage un groupe de maisons, rue de Thèbes, en pleine Casbah, provoquant la mort de dizaines de personnes. Ce sont des Européens, ultras de l'Algérie française, qui ont déposé l'engin. Dans la capitale algéroise, le contre-terrorisme précède le terrorisme. Le chef du FLN pour la région d'Alger, Larbi Ben Midi, un des leaders historiques de la révolution, et son adjoint militaire, Yassef Saadi, perdent leur dernière réticence et décident de passer à l'action. Dans les ruelles étroites de la Casbah, le FLN est chez lui. Yassef Saadi recrute des jeunes filles qui passent inaperçues dans les quartiers européens. Le 30 septembre 1956, deux bombes explosent au Milk Bar et à la cafétéria, deux bars du centre-ville fréquentés par la jeunesse européenne. On relève quatre morts et des dizaines de blessés. La psychose de la bombe s'installe dans la population. Alger a peur. La police, débordée, est incapable de retrouver les auteurs des attentats et de combattre le terrorisme urbain. Pour parer à cette situation, le 7 janvier 1957, Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, confie au général Massu, commandant de la 10e division parachutiste, la totalité des pouvoirs de police. L'objectif est simple, l'anéantissement des réseaux du FLN. Les politiques abdiquent devant l'armée, la bataille d'Alger commence. Alors le pouvoir civil avait donné ordre au général Massu de remettre de l'ordre. Autrement dit, si on n'avait pas remis de l'ordre à Alger, il fallait s'en aller. Parce que Alger était à feu à sang et la police ne pouvait rien faire. Donc les parachutistes ont reçu l'ordre de trouver cette rébellion. Le colonel Bijar nous a réunis, nous arrivions de Chypre, nous a réunis en lui disant « Voilà, la 10e DP prend en charge tout le maintien de l'ordre à Alger, tous les pouvoirs de police. Voilà les missions que nous avons reçues, c'est de démanteler la rébellion. » Et on était, il faut bien le dire, en dehors des lois. Qu'il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus de justice. Il y avait la 10e DP qui rétablissait l'ordre dans Alger. En liaison avec Massu, tous les colonels parachutistes, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé, moi, un travail de flic, que je n'aimais pas, parce que le parachutiste est fait pour se battre en plein jour ou en pleine nuit, mais pas faire le travail policier, c'est pas son rôle, ça. Oui, oui, il faut pas le cacher. C'était un métier, un boulot de flic. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit un jour. C'était un boulot de flic, mais il n'y a rien de déshonorant.
Les parachutistes sont maîtres d'Alger. 4 régiments se partagent la ville, qui est quadrillée. La casbah est bouclée, les accès fermés et contrôlés. Les léopards perquisitionnent jour et nuit, arrêtent des dizaines, des centaines de suspects. Les bombes existaient dans Alger, nous le savions, elles avaient en 1956 déjà éclaté bien souvent. Donc il fallait les trouver. Alors, les interrogatoires, l'urgence était telle, si on ne voulait pas que de nouvelles bombes sautent avant que nous ne les ayons trouvées, et les hommes qui les manipulaient en même temps, l'urgence était telle qu'il a fallu accepter, m'a-t-il semblé en conscience, qu'il a fallu accepter l'emploi de méthodes d'interrogatoire musclées. Le général Massu rédige pour ses troupes une note qui a le mérite de la franchise. La condition sine qua non de notre action en Algérie est que ces méthodes soient admises en nos âmes et conscience comme nécessaires et moralement valables. Dans tous les régiments paras, la torture est pratiquée. Il faut que le suspect parle et parle vite. L'argument invoqué est celui de l'efficacité qu'expose le colonel Trinquier, spécialiste de la guerre subversive. Supposez qu'une après-midi, une de vos patrouilles ait arrêté un poseur de bombes. Ce poseur de bombes avait sur lui une bombe, puis il avait posé au moins 4, 5 ou 6. Cette bombe démontée vous a permis de savoir que les bombes posées allaient sauter à 6h30 de l'après-midi. C'est 3h. Nous savons que chaque bombe fait au moins 10, 12 morts et une quarantaine de blessés. Le terroriste est là. Vous pouvez l'interroger ou non. Mais n'empêche qu'à 6h30, vous aurez 40 morts et environ 200 blessés. Si vous interrogez cet individu, il y a forte chance qu'il vous donne l'endroit où il a posé les bombes. Si vous ne l'interrogez pas, vous aurez, que vous le vouliez ou non, la responsabilité des 40 morts et des 260 blessés. Moi, personnellement, je suis prêt à l'interroger jusqu'à qu'il réponde à mes questions. Comme Trinquier, les officiers qui ont participé à la bataille d'Alger avance le cas du poseur de bombes qu'il faut faire parler à tout prix pour sauver des vies. Cette urgence justifie à leurs yeux le recours à la torture. Mais les milliers de suspects arrêtés et interrogés n'étaient pas tous des poseurs de bombes, loin de là. Les militaires savent que sur 100 personnes embarquées dans la casbah, 3, 5 ou 10 sont sympathisants du FLN. Il suffit de les trouver. Pour cela, tout le monde doit parler. Dans la réalité de l'action, les paras torturent pour arracher des renseignements qui permettront de remonter des filières. Trinquier est un adepte de cette pêche au filet. Dans la casbah d'Alger, il y avait 1500 terroristes armés, appuyés par une population de 5000 qui leur aidait par les renseignements et tout. Alors voilà comment nous avons mené cette bataille. D'abord, nous avons voulu connaître leur organisation. Et pour ça, voilà si comme nous avons fait. Vous avez lu Mao Zedong, on vous dit que les terroristes sont comme le poisson dans l'eau. Bon, mais vous avez dit, tous les habitants les connaissent. Alors nous avons arrêté une après-midi au début, une trentaine de jeunes gens, et nous leur avons demandé individuellement, qu'est-ce qui collecte les fonds chez vous? Tous nous l'ont dit, et on les a relâchés le lendemain matin. Nous sommes allés arrêter les collecteurs de fonds. Ils nous ont dit, à qui vous portez les fonds? Ainsi de suite, nous sommes remontés jusqu'au sommet de la pyramide. Donc nous avions construit un organigramme, mais il était blanc. Il était presque blanc. Il y avait simplement quelques noms. Et à partir de ces noms, il s'agissait pour nous de raccorder les morceaux, de remonter tous les maillons de la chaîne jusqu'en haut. Et là, nous avions donc le responsable d'Alger, qui était Ben Midi. Ça, on le savait, il était tout en haut de l'organigramme FLN. La torture massive, organisée, revendiquée, est justifiée par la nécessité des résultats. Mais les hommes qui en ont accepté le principe ou l'ont ordonné, l'ont fait la mort dans l'âme. Bien des officiers paras étaient des anciens de la France libre, comme Massu ou Bijard. Certains, 15 ans plus tôt, avaient été résistants, arrêtés ou même déportés. Pourtant, ces hommes ont accepté des méthodes qui révoltaient leur conscience. J'ai vu, j'ai participé, j'ai commandé, j'ai ordonné, puisque je ne dois pas rejeter les responsabilités sur mes subordonnés. J'ai ordonné parce que ma mission était ainsi faite.
Je suis catholique pratiquant et j'ai mis 2 ans avant de pouvoir rentrer dans une église. Il est évident que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'états d'âme. C'est très difficile sur le plan moral. Fallait-il démissionner, quitter l'armée ? Je ne pense pas avoir perdu mon honneur en Algérie. Disons que j'ai perdu un peu de mon âme. Les parachutistes obtiennent des résultats, démantèlent des filières, trouvent des caches. À côté de l'action des régiments de la 10e DP, une équipe spéciale, mise en place par Massu, est chargée des basses besognes. Le commandant Ossarès est le responsable de cet escadron de la mort. Et il vous présente comment votre mission, Massu ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Comme un ordre. Comme un ordre. Et Massu vous dit aussi, de toute façon, il faut liquider cette organisation. Oui, il faut liquider cette organisation. Et M. Lacoste lui avait dit, les ordres du gouvernement sont de bloquer l'action du FLN par tous les moyens. Il dit par tous les moyens. Et quand on vous dit par tous les moyens, vous comprenez ce que ça veut dire ? Et j'ai compris que ça veut dire tous les moyens, y compris les tortures et les exécutions sommaires. Donc ça torturait beaucoup. Ça faisait partie du... Oui, ça faisait partie. Vous assistiez à ces interrogatoires ? Non. Quelquefois, dans certains cas. Mais quand important. Et à ce moment-là, vous meniez les interrogatoires ? Non. Non ? Je ne menais pas moi-même. Mais je suis mené par quelqu'un d'incapable. Après, vous les liquidiez quand même. Non, ceux que vous aviez interrogés trop durement, disons. Non, pas tous, pas tous, il y en avait beaucoup. Ce qu'on liquidait, c'était le minimum, vraiment le minimum. Le travail de flic des paras porte ses fruits. Le 16 février 1957, le capitaine Allaire, sur la base de renseignements obtenus par un informateur, réussit à arrêter l'Arbi Ben Midi. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi, qu'il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, « Un autre prendra ma place. » Voilà ce qu'il m'a dit. Le Joël Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Ben Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que que faire de Ben Midi ? Que faire de Ben Midi ? Qui vous a donné l'ordre à vous d'aller chercher Ben Midi un soir ? Vous avez reçu un ordre formel ? Non, c'est moi qui ai pensé que la position de Bijard était intenable. Il fallait le chercher. Mais Massu vous a donné le feu vert dans cette histoire ? Non, il n'a pas donné le feu vert. Bijard me dit « débarrassez-moi de ce type, c'est pas possible ». Et je n'ai pas eu le feu vert. Vous avez agi là de votre propre initiative ? On peut même pas dire que c'était... Au-dessus, Lacoste qui avait dit qu'il faut se débarrasser de Ben Midi ? Je ne dirais pas. Vous ne voulez pas le dire ? Non. Vous n'en pensez pas moins ? Je ne pense rien du tout et je ne dirai rien. Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher. Et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Et quand vous avez été le chercher et que vous avez vu
Allaire qui faisait rendre les honneurs à Ben Midi. J'ai pas aimé. Pour vous, c'est un ennemi, quand même. Vous ne rendez pas les honneurs à un ennemi ? Certains ennemis. Vous n'avez pas droit aux honneurs de l'armée française. Je sais pas, j'essaie de voir dans quel état d'esprit vous étiez. C'est un piège, vous tendez un piège, là. Je tends un piège ? Oui. Je veux pas lire du mal de Ben Midi puisqu'il est mort, mais... j'étais choqué d'avoir Allaire lui rendre les honneurs. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je suis baudoré. Après, il a disparu, il est parti, il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement, et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Vous n'y avez pas cru ? Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. C'est vous qui l'avez pendu ? C'est un peu ça. C'est un peu ça ? Oui. Ou complètement ? Il y a prescription. Justement. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Il est mort pendu. Il est mort pendu, oui. En votre présence. Je ne dirai pas. Comme l'Arbi Ben Midi, ils sont des milliers les Algériens qui disparaissent. Paul Tedjen, secrétaire général de la police, refuse que le pouvoir civil abdique totalement devant le pouvoir militaire. Il exige que chaque arrestation soit enregistrée et que le suspect fasse l'objet d'une assignation à résidence que lui, Tedjen, signe de sa main. On a signé 24 000 sous mon nom. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 au bout. Lorsqu'au mois de septembre 1956-57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Ça. Où sont-ils ? Dans les camps, à Podkazel, même pas. Je suis allé à Podkazel pour voir, ils n'y étaient pas. Ils ont disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés, les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. En attendant de connaître leur sort, les milliers d'Algériens arrêtés sont parqués dans des centres d'hébergement. Tedjen nomme Sekaldi Reno à la tête du principal centre. Tedjen me dit, bon, le principal va être situé à Beni Messous. Je vous y envoie. Vous représentez le pouvoir civil. Et il dit, c'est moi qui vais prendre les arrêtés d'assignation à résidence. Et je préfère que vous contrôliez ce qui s'y passe. Et soudain, je pense que je me demande si ce n'était pas un dimanche, arrive un camion rempli de musulmans que l'on déverse dans ce centre. Et je vois ce jour-là, des personnalités telles que Osares lui-même, qui est commandant à ce moment-là, et le colonel Trinquier. J'avais 300 places de possibles, et on y introduit en quelques heures plus de 1000 personnes. Puis, quelques jours après, j'ai vu des militaires qui venaient chercher des gens. 5-6, parfois une dizaine. Et après, j'en ai vu qui rentraient et qui avaient effectivement des civils. Là, j'ai appelé Tedjen. J'ai dit, est-ce que vous voulez venir voir ? Donc, il est venu. Nous avons passé 2 heures dans le centre. Bon, il a constaté, comme moi, les traces de civils sur un certain nombre de gens.
Et après la visite, nous sommes montés quelques minutes dans sa voiture, à l'arrière. Qu'est-ce que nous faisons? Et il m'a dit, nous ne pouvons rien. Nous luttons contre des forces supérieures, nous ne pouvons rien. Et il dit, pour la morale, démissionnons. Et c'est ce que nous avons fait. Le jour même, lui a démissionné, moi aussi. Paul Tedjen écrit le 29 mars à Robert Lacoste sa lettre de démission, qui ne deviendra effective que 6 mois plus tard. J'ai acquis la certitude depuis 3 mois que nous sommes engagés dans l'anonymat et l'irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu'au crime de guerre. Je ne me permettrai pas une telle affirmation si au cours des visites récentes au centre d'hébergement de Paul Cazel et de Benny Messous, je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans, je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo à Nancy. J'étais passé par la torture, moi, en 1943. Plusieurs fois par la Gestapo. Vous savez comment on humilie un homme, comment on ne le respecte pas, comment on arrive à le réduire à zéro. Plus le camp de concentration d'Achaux, ça me suffisait. Je ne pouvais pas supporter que les Français agissent de même. Tedjen n'est pas le seul à protester contre les méthodes de l'armée. Le général Paris de la Bollardière, résistant, compagnon de la Libération, ancien chef des troupes aéroportées en Indochine, commandant le secteur de l'Atlas Bidéen, demande à être relevé de ses fonctions. Le retentissement de la démission d'un officier de la trempe de Bollardière, la campagne contre la torture menée par quelques journaux comme Le Monde, L'Express, France Observateur, Le Canard Enchaîné, mobilise une part de l'opinion intellectuelle. Les églises s'émeuvent. Le dirigeant socialiste Guy Mollet nie tout usage de la torture. Pourtant, le chef de gouvernement, le ministre résident Lacoste, le ministre des Armées Bourgès Monoury et son secrétaire d'État à la guerre, Max Lejeune, n'ignorent rien de ce qui se passe dans les locaux des régiments. Ils les visitent, approuvent et félicitent. Nous avons non seulement été soutenus, mais encouragés. Je me souviens d'un exemple précis. Le général Bijard, qui avait un poste de commandement très organisé avec des cartes, des plans, des organigrammes, où on voyait l'évolution quotidienne de l'asphyxie de la rébellion. Nous avons eu la visite de M. Bourgès Monoury, de M. Max Lejeune, du général Salland, de M. Robert Lacoste et de son chef de cabinet. Je me souviens à l'occasion justement de la capture de Ben Midi, et tous se sont extasiés devant l'efficacité du travail fourni par les différents régiments de la 10e d'épée. Ces personnalités politiques ont trouvé que les résultats étaient probants et que la méthode était bonne. Et ils nous ont encouragés dans cette voie. Le pouvoir politique accepte et couvre ce que font les militaires. Certains ferment les yeux et se bouchent les oreilles. Robert Lacoste, lui, est informé à la source. Vous notiez tout sur un petit carnet, donc en 4 exemplaires. Non, c'était pas un petit carnet, c'était un gros bloc manifold. Un bloc. Ah oui. Et il y avait 4 pages qui étaient marquées. Puis là, après, il y avait une feuille de carton pour savoir que passer la 5e. Et alors, avec le bic de l'époque, on écrivait sur une page, sur la première page, et ça marquait les 3 autres. Alors, je faisais ça le matin. Là, vous notiez tout ce que vous avez fait pendant la nuit. Oui, tout ce que j'avais fait pendant la nuit. Et vous notiez tout vraiment? Oui, tout vraiment. Tout vraiment. Et les noms, les tortures, les exécutions. Tout, là. Enfin, bref. Et Trinquet me rejoignait, parce que lui avait travaillé. Et on allait voir monsieur. Et puis je lui disais, voilà, j'ai la première page, je la lui donnais, et je lui expliquais. Donc Massu est absolument au courant de tout ce que vous faisiez. Tout ce qu'on faisait. Et vous couvrez toujours. Il couvrait toujours. Et les autres pages? Et les autres pages, la deuxième était pour M. Lacoste, la troisième pour le général Salland, et la quatrième restait en archive. C'est-à-dire que Lacoste savait aussi tout ce que vous faisiez? Tout, absolument tout.
Il avait droit aussi au décodage ce que vous marquiez, tout. Il comprenait tout. Il comprenait tout. Et s'il n'avait pas compris, il aurait demandé à Massy, mais il comprenait tout. Et un jour, le temps ayant passé, quelques semaines ayant passé, Massy nous dit, cet après-midi, à telle heure, soyez au GG, gouvernement général. Et on se pointe au GG. Et on trouve Lacoste entouré d'un demi-cercle de fonctionnaires importants du GG. Et puis Massy se pointe et lui dit, monsieur le gouverneur général, je crois qu'il l'appelait gouverneur général. Il était ministre en fait. Oui. Ou monsieur le ministre résident, enfin il a une bonne tartine. Je vous présente le lieutenant-colonel Trinquier et le commandant Sarès qui ont joué dans la bataille d'Alger un rôle de premier plan. Terminé. Lacoste vous a dit quelque chose à ce moment-là ? Et il nous a donné une petite louche de compliments. Vous faites un bon travail, je le sais, vous avez toute ma confiance. Une bonne tartine, vraiment une bonne tartine. Vous avez gardé un exemplaire de ce... de ce carnet. J'ai fait la connerie de ne pas le garder. Et... après l'arrestation de l'armée Ben Midi, Yacef Saadi, devenu le patron du FLN pour tout Alger, continue la bataille. Traqué, isolé, il dispose encore de quelques commandos de choc qui continuent à poser des bombes meurtrières, comme au casino de la Corniche, le 9 juin. L'attentat fait 9 morts et des dizaines d'estropiés. Un effroyable carnage. La traque de Yacef Saadi reprend. À la fin de septembre, le chef du FLN est arrêté. La bataille d'Alger est terminée. Les paras ont gagné. Eh bien, je pense que nous avons été très efficaces, mais ça n'est pas le genre d'opération, le genre de mission que je referai avec plaisir. C'était une mission très difficile, qui est tout à fait hors norme par rapport à l'éthique de l'officier occidental et chrétien de surcroît. Mais nous étions pris par la mission, donc nous avons essayé de la remplir le plus humainement possible, même si ce mot paraît un petit peu surprenant dans la bouche d'un officier parachutiste qui a participé à la bataille d'Alger. Bien, ils oublient que ce n'est pas efficace. On trouve et on obtient d'un torturé, humilié, un renseignement. Et si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, n'est pas rentable du tout. C'est tout le contraire qui se produit. Toute la torture appliquée au travers de l'histoire conduit à la révolte de ceux même qui n'ont pas été torturés des autres. L'Algérie, c'est l'échec. On gagne la bataille d'Alger, on perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. La torture ne fait que salir un peu plus l'image qu'ils auraient pu en garder. La participation au défilé du 14 juillet d'unités de parachutistes que nous voyons ici s'embarquer à Alger a fait de la fête nationale un hommage aux combattants d'Algérie. Préludant aux cérémonies des Champs-Élysées, le président Bourgès Monoury a remis dans la cour d'honneur des Invalides les insignes de grand officier de la Légion d'honneur au général Massu, chef des paras. Le 14 juillet 1957, les hommes de Massu défilent sur les Champs-Élysées. Profitant de la démission des politiques, l'armée a pris le pouvoir à Alger. Elle ne le lâchera plus. Ce sont les mêmes hommes qui, quelques mois plus tard, au moment du 13 mai, dicteront leur volonté à Paris. Avec l'appui de Massu et de Salan, De Gaulle revient au pouvoir. Les Français d'Algérie et les cadres de l'armée se félicitent. Le malentendu commence. Merci.
Vive Mostaganem! Vive l'Algérie française! Vive la République! Vive la France! De Gaulle nomme à nouveau commandant en chef à la place de Salan. Le général Chasles, s'inspirant des théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire, ceux qui ont mené la bataille d'Alger, préconise le contrôle systématique de la population pour isoler le FLN. Évacués, des régions entières deviennent des zones interdites où les soldats français peuvent tirer sans sommation sur tout ce qui bouge. Les habitants, chassés de leur village, sont rassemblés dans des camps de regroupement où s'entassent bientôt 1,5 million de personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieux, qui survivent dans des conditions précaires. Les maladies, le manque de nourriture, entraînent une forte mortalité. Une grande partie des opérations se déroule dans des zones interdites, car le quadrillage Chasles avait conduit à baptiser des territoires entiers zones interdites, où il ne devait y avoir personne. Tout mouvement à l'intérieur de cette zone était soit des militaires français, soit des Fellahs. Mais moi, je sais comment une zone devient interdite, parce que je l'ai vécu. Hein. Bien, c'est tout simplement, il y a eu des convois qui sont passés, il y a eu une ou deux attaques de convois, quelques morts, et puis l'état-major dessine un trait, cette zone, elle est interdite, vous tirez sur tout le monde. Mais les gens qui sont là-bas, ils savent pas, c'est pas une zone interdite pour eux. Ils habitent là, ils ont leur chef, leur champ, et puis ils comprennent que c'est une zone mortelle. Eh bien, c'est quand il y a des militaires qui passent, et puis le gars est en train de labourer son champ, il le mitraille. À partir de 1959, le général Chasles monte de grandes opérations qui visent à démanteler complètement l'organisation du FLN et à détruire les katibas de l'ALN. Des milliers d'hommes, surtout des parachutistes, forment un gigantesque rouleau compresseur qui balaye l'Algérie d'ouest en est. Les combattants de l'ALN qui réussissent à échapper aux tenailles se réfugient dans des endroits escarpés où il faut les poursuivre. C'est le rôle d'unités spéciales, les commandos de chasse, composés de quelques dizaines d'hommes, le plus souvent des harkis, qui connaissent bien le terrain. C'était des types gonflés, hein, parce qu'ils allaient en pleine zone, quelquefois occupée par l'ALN. Ils entraient dans les mechtas, ils se faisaient passer pour des partisans de l'ALN. Ils avaient des laissés-passer qui avaient été pris lors d'opérations à l'ALN. Ils les présentaient aux gens. Ils se présentaient comme des fédouzes, comme le commando Georges. Le commando Georges est le plus célèbre des commandos de chasse, formé par d'anciens maquisards FLN, souvent torturés, puis retournés. Il en est d'autres, peu regardants sur les méthodes, dont la réputation est frais dans les douars. Ce lieutenant, il m'a raconté des choses effroyables sur la manière dont il faisait disparaître les individus suspects. Il m'a raconté comment il faisait, ça je
Je vous donne ma parole que c'est absolument exact, ce sont ses propos textuels. Il m'a dit, voilà, il arrive qu'on sépare la tête du corps des gens que l'on a trucidés, on fait bouillir la tête dans de l'acide sulfurique, les restes sont jetés dans le jardin et le corps est embarqué dans un 4x4, c'est-à-dire un Dodge. Et là, à des endroits où on sait que le sable le recouvrira, bien on dépose le corps et on n'en parlera plus jamais. C'est ainsi que moi j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient disparu de Biskra. Quand ils sont arrivés la première fois, j'ai fait demi-tour vite fait, je suis rentré dans le gourbi qui nous servait d'infirmerie à la salle, je suis ressorti avec ma mitraille, je disais, les Fels qui arrivent là, c'est pas possible. Je les ai vus. Ensuite, ça tabassait. Vous les avez vus faire quoi? Alors, tuer. D'abord, première chose, il faut aller crescendo. D'abord, ils rentrent dans le village. Ils rassemblent les hommes, mais avant de les rassembler, ils les prennent un par un. Le couteau sous la gorge, tu me donnes tes sous. Déjà, ils pillent. Ensuite, ils viennent à la Djemma, ils sont réunis à la Djemma. La Djemma, c'est... La Djemma, c'est le lieu, c'est notre mairie. C'est le lieu, pas notre mairie, mais le lieu de rassemblement. Hein, le lieu de rassemblement, bon. Eh bien, là, les hommes sont rassemblés là. Celui qui marche pas si vite, on le tue. Sans forme de procès. On tabasse tout le monde. Il n'y a pas plus de suspects qu'autres. Et on les tabasse pas n'importe comment, avec une canne, et ça c'est pire que la GGN et pire que tout le reste. Vous avez une canne ou un tuyau, mais eux c'était des cannes. Et vous tapez, mais tout doucement. Il ne s'agit pas d'aller taper un grand coup, il va tomber dans les pommes, ça va être fini. On tape tout doucement. Là, je les ai soignés, moi, derrière ces gens-là, à l'infirmerie. Il fallait voir dans quel état c'était. Il y a un dos, le dos n'est plus, il est noir, il est... Donc, il parle ou il ne parle pas. S'il ne parle pas, il tue. Et s'il parle, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sait pas. Ça, c'était vraiment des tortionnaires. Ce commando de chasse, c'était les SS en Algérie. Rien de plus. Partout où ils sont passés, ils n'ont fait que de... Et alors, les viols, mais ils n'ont jamais violé une gamine de 19 ans. De 10 ans, de 11 ans, de 12 ans. C'était ça. On voyait les pères venir nous voir après, ils ont cassé ma fille. Mais c'était impensable. Jamais je n'ai vu torturer comme avec ceux-là. P16, voilà le nom du commando de chasse. P16. 50%. C'était des félagas qui avaient été arrêtés, qui avaient été torturés, qui avaient vendu leurs frères. Ça, c'est la honte de l'armée française, ce commando de chasse, là. Dans cette guerre spéciale, où la contre-guérilla utilise les méthodes de la guérilla, le renseignement reste primordial. Désormais, la recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif opérationnel de protection, est chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. On les donne à l'officier de renseignement, qui, lui, essaye de les faire parler. S'il ne parle pas, je parle de mon secteur, il partait au DOP, à Tizi Ouzou, où la torture, là, c'était fini. Le gars, on ne le revoyait plus. Bien. Donc, chaque type de torture... Le DOP, c'était le stade suprême. Le détachement opérationnel de protection, oui, alors, c'est pas ça du tout. Hein. C'était le centre de torture, tout simplement. Hein.
Il y avait les fameuses villas pendant la bataille d'Alger. Ben, en Grande-Kabylie, c'était le dope à Tiziouzou, c'est tout. Hein. Au début, il y avait qu'une quinzaine de dopes, et puis après, on en a mis un peu dans tout le... Le principe recherché, c'était d'avoir des dopes dans tous les secteurs. Hein. Un secteur, c'était un arrondissement, en gros. Et l'idée, hein, c'était que quand il y avait un prisonnier, il était... Il était interrogé par les dopes, c'est ça. Il était interrogé par les dopes. Donc c'était une forme de centralisation de l'interrogatoire. Oui, les dopes, c'était des organismes civilo-militaires. Hein. Il y avait des militaires, mais il y avait des gendarmes et il y avait des policiers, hein, qui étaient... Claude Ranfin a 18 ans en 1959, lorsqu'il s'engage dans l'armée. Il se dit gaulliste et partisan de l'Algérie française. Il se retrouve à Maison-Blanche, près d'Alger, dans une brigade très spéciale. Bon, et puis, le travail a commencé, quoi. C'était patrouille, contrôle, embuscade. Et puis, bon, ben, lorsqu'il y avait des prisonniers, bon, ben... On essayait d'en tirer le maximum pour avoir des renseignements. Ça se passait où, ça? C'est vous qui faisiez ces prisonniers, ou vous les apportez, ou... Non, on était à cantonnement, on n'était pas beaucoup. Hein, on était une trentaine de militaires, sous-officiers compris. Et puis voilà, bon, ben, bon. Mais vous savez, bon, on faisait pas... C'était pas... C'était pas des interrogatoires comme... Si les gens voulaient coopérer, ça allait bien. Bon, quelquefois, il y a eu quelques petits débordements, mais enfin, disons que c'était quand même pas... Vous les interrogiez durement, mais vous les torturiez pas, ça vous voulez dire ? Voilà. Je pense que, bon, bah, comme tout interrogatoire, quand on veut arriver à quelque chose... Mais entre là, le mot torture fait quelquefois très déplacé. Pour vous, ça commence où, la torture ? Ben, la torture, moi, je pense que c'est quand on commence... nous, ce qu'on essayait plutôt de faire, c'était plutôt psychologique. Au point de départ, on essayait de leur expliquer, on a essayé de leur faire peur, déjà. Que si jamais ils parlaient pas, bon, ben, qu'ils risquaient ceci, qu'ils risquaient cela, etc. Et s'ils coopéraient pas avec nous, eh bien, on essayait, ben, quelquefois, bon, ben, ça prenait des tournures, c'est ce qu'on appellera des interrogatoires musclés, quoi. Mais la torture... Par exemple, vous utilisiez l'électricité, la GIGN, tout ça? Oui. Couramment? Couramment, non, c'est arrivé. Moi, j'y suis passé à la GIGN, quelquefois pour s'amuser. On se branchait, c'est pas si terrible que ça. Bon, c'est des téléphones de campagne. Hein. Vous y passiez combien de temps? Comment? Vous y passiez combien de temps? Pour moi ou oui, pour... quand vous amusiez. Oh, bah, c'est bon, on se branchait. Bon, ça durait deux minutes. Ouais, ça durait quelques minutes. Oui. Quand vous preniez des prisonniers, ça durait un peu plus longtemps quand même. Oui, quelquefois, bon, oui, c'est vrai. Mais vous participiez directement aux interrogatoires, vous surveillez, vous donniez des ordres, vous y alliez? J'y ai participé. Vous savez, la torture, je vous ai bien dit, le mot torture me dérange un petit peu. Disons, un interrogatoire, disons que il faut le pratiquer, il faut pas qu'il y ait, sans haine, hein, sans perversité. Faut pas que ça soit un jeu, ni un plaisir. Hein. C'est simplement pour arriver à un résultat qui va permettre de sauver des gens. Hein, c'est tout. Pendant les interrogatoires, vous gardiez la tête froide? Vous n'étiez pas pris dans une espèce d'ambiance un peu de... Vous arriviez à garder cette... Non. Moi, je sais que, moi, personnellement, je ne me suis jamais excité ni rien du tout. Bon, non, j'avais du respect. Hein. Faut pas croire. Et puis, une fois que c'était fini, une fois que, bon, ben, ils étaient déclarés, de toute façon, officiellement, bon, on en a eu. On a eu des prisonniers, ou que c'est quand... Le matin, bon, ça m'est arrivé d'être responsable des cellules. Hein. Eh bien, le matin, on leur faisait faire la culture physique, parce que bon, bah, ils étaient quand même enfermés dans des cellules, donc on les sortait, faisait la culture physique, on faisait un peu faire des mouvements, puis nous aussi, comme ça nous faisait faire des mouvements. Hein. Ils avaient le café, ils passaient à la douche, puis après, bon, on avait un petit jardin, on avait un jardin dans la brigade, bon, il y en a qui...
bon, qui faisaient le jardin, d'autres qui lavaient les tenues, d'autres... voyez, mais enfin, disons qu'il n'y avait pas de... Bon, bah, c'était fini, ils étaient prisonniers, on les remettait à la justice, et puis voilà, quoi. Finalement, vous aviez du respect pour les gars que vous passiez à la GIGN. Ben oui, bon, bah, bien sûr qu'on a du respect, quand même... Bon, je pense que... Je sais pas si j'avais été algérien, je ne sais pas ce qui... Bon, moi, j'ai connu des gars de la LN qui avaient combattu en 39-40 chez nous, pour la France, qui avaient combattu pour la France en Indochine, et qui se retrouvaient ennemis, après, contre les Français. Finalement, vous faisiez un travail de professionnel, presque, là. Oui. Je pense que... D'une certaine manière, il valait mieux tomber entre vos pattes qu'entre les pattes de quelqu'un qui n'était pas... Que quelqu'un qui n'avait aucune formation et qui risquait de faire des bêtises. C'est fort possible, oui. Vous êtes resté combien de temps, là, à Maison-Blanche, à faire ce travail ? J'y suis resté jusque le 11 décembre 1961, jour de la Saint-Daniel. Et vous aviez commencé en... Et j'ai commencé au mois d'octobre 60. Un peu plus d'un an quand vous êtes resté. Un peu plus d'un an. Alain Tessonnière est cantonné dans une ferme près d'Oran qui se transforme peu à peu en centre de torture. Après, il y a eu de plus en plus de prisonniers, donc on ne pouvait pas les attacher un à un tous les soirs ou toute la journée. Donc on a transformé le hangar en prison. Alors on a mis des barbelés devant la partie qui était ouverte. On a laissé un petit passage. On a attaché un chien d'armée avec une grande chaîne pour qu'il puisse sauter sur tout fuyard. Et on changeait le chien tous les deux jours pour que le chien ne s'habitue pas à la situation. Et on a placé une sentinelle devant la prison. Une sentinelle, bien sûr, qui était renouvelée toutes les deux heures. Ces gens-là, policiers, capitaines et autres, torturaient, cette fois-ci, plus dans la prison elle-même, mais dans d'autres salles à l'intérieur de la ferme. Alors on entendait les cris, on entendait les coups, et on voyait les dégâts sur les prisonniers. Par exemple, il y en avait un qui avait été arrosé d'essence sur ses cheveux, on avait mis le feu, donc il était tout brûlé. Sur la tête. Un autre avait eu les doigts écrasés, il pouvait plus servir de ses mains. Un autre, on l'avait vu attaché, ligoté dans un réseau de barbelés au soleil toute la journée. Et lorsqu'on était dans la cour ou de garde sur la terrasse, on pouvait observer le supplice de la baignoire qui était pratiqué dans l'abreuvoir, rempli d'eau de lessive. Et donc on plongeait le prisonnier nu dans l'eau. Et les tortionnaires le sortaient de temps en temps et le jetaient par terre. Le type essayait de souffler un peu. Il le replongeait pendant plusieurs fois. Et après, il le rembarquait du côté des salles de torture. Je me souviens une fois où j'étais de garde aux prisonniers, comme on disait. J'attendais la fin de la faction et j'entends crier « Sentinelle ». Et je me retourne et je vois arriver vers moi un prisonnier manifestement maltraité, en mal en point. Il avait du mal à marcher. Et derrière lui, sur le pas de la porte, il y avait un civil, un policier, le fouet à la main, tout fier, comme si il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et tout de suite m'est venu à l'esprit Gestapo. D'après ce que vous voyez, les tortures, elles étaient fréquentes et... C'était tous les jours, pratiquement. Alors on a eu en moyenne une quarantaine de prisonniers pendant 8 à 10 mois. Et au plus fort, il y en avait une soixantaine. On avait calculé qu'il y avait autant de prisonniers que de soldats dans la ferme. Ça se renouvelait en permanence. Ça se renouvelait en permanence. Cette ferme, qui était un centre de torture, ça correspondait à quoi territorialement ? Je ne sais pas. Justement, c'était un peu la question que je me suis posée lorsqu'on a parlé si souvent des tortures par les paras au moment de la bataille d'Alger en 57, et qu'on parlait très peu des autres centres de torture, à part la ferme à Méziane. Moi, je me demandais, mais le centre où j'étais, qu'est-ce que c'était vis-à-vis des différents centres de torture. Comment s'appelait cet endroit où vous avez été affecté à Constantine ? La ferme à Méziane. C'était une ferme qui avait été réquisitionnée par l'armée et toutes les arrestations, toutes les interrogations se faisaient dans cette ferme. Tous les suspects que nous, on arrêtait et tous les suspects, la plupart des suspects qui étaient arrêtés dans le Constantinois. Arrivés là ? Ah oui, on en avait beaucoup.
On avait au moins, à cette époque-là, je pense qu'on avait au moins 200 gars quand même, on s'est enfermés. Quoi. En permanence. En permanence. Il en arrivait tous les jours. Il en arrivait tous les jours. Il en partait, il en arrivait. Il y avait un beau pavillon. Tout autour, il y avait des lotissements. C'était les étables. C'est dans les étables qu'étaient détenus les... Ils étaient couchés sur de la paille. Ils étaient couchés sur de la paille. Et par la suite, après, ils ont fait faire quelques cellules. Quelques cellules qu'ils ont montées en parpaing. Et puis avec des portes en fer. Et dedans, ben, ils mettaient des gars qu'il fallait vraiment isoler. Qui menait les interrogatoires ? Les inspecteurs en civil, principalement. Il n'y avait pas de militaires ? Ah, moi, j'en ai pas vu. Et vous, vous assistiez aux interrogatoires ? Oui, j'en ai vu, moi. J'en ai vu de plusieurs façons. J'en ai vu aussi bien, comme on disait, la Gégène, qu'ils appelaient ça sur un lit de camp, dehors. Ils l'attachaient sur un lit de camp, et puis ils mouillaient, et puis avec la Gégène. Et j'ai vu aussi, assis sur une chaise, et avec de l'eau et de la lessive, qu'ils leur mettaient avec un entonnoir dans la bouche. Et puis, bon, ils essayaient de les faire parler comme ça. Et puis après, ils recrachaient cette eau. Et comme ça, ils continuaient tant qu'ils n'avaient pas parlé. Ça durait longtemps. Oui, ça durait assez longtemps. Et ce type de torture, électricité, l'eau, ça était employé fréquemment ? Ah ben nous, je peux dire que c'était toutes les nuits. Quoi. C'était toutes les nuits. Mais les séances de gêne pouvaient durer longtemps. Oui. Et puis après, ben... Celui-là, quand il avait fini de parler, il force un peu sur la manivelle et puis c'est réglé. C'est réglé. C'est-à-dire ? Mais, il pousse jusqu'au moment où le cœur il lâche. En 4 ans, des dizaines de milliers d'Algériens sont passés par la ferme à Méziane. Des milliers ont été torturés en un lieu surnommé l'abattoir. Plus de 1000 détenus y laissèrent leur vie. Vous êtes resté combien de temps à la ferme à Méziane ? Oh, je pense que j'ai dû y rester pendant un an et demi à peu près. J'ai passé presque tout mon temps là. En juin 1961, Henri Pouillot arrive à Alger. Il n'a aucune conscience ni appartenance politique. Il est affecté à la Villa Cesigny pour effectuer du travail de secrétariat. Combien de jours vous avez découvert que finalement cette villa était un centre de torture ? Je l'ai découvert dans les 2-3 premiers jours. Quoi. Les séances les plus dures, les plus violentes, se passaient en général dans le sous-sol de la villa. Là, il y avait des lieux qui étaient aménagés ou c'est... On s'est aménagé, c'est de façon très sommaire. Il y avait 2-3 chaises, 2-3 tables, essentiellement métalliques, des tables de l'armée de l'époque, qui avaient un aspect en plus pratique, parce que le métal conduit bien l'électricité, donc il suffisait de brancher souvent une électrode sur la table et l'autre sur la personne, qui permettait d'avoir le contact entre le corps, etc. Et vous, personnellement, vous avez assisté à ces séances de torture ? Vous êtes descendu dans la cave ? Oui, parce que très souvent, c'était souvent moi qui étais chargé donc d'essayer de prendre les notes importantes qu'il fallait conserver. Quoi. Et puis j'avoue que je me sentais moins mal à l'aise, si j'ose dire, à être avec un stylo ou un crayon que d'avoir à exercer des brutalités, quoi. Mais bien sûr, intellectuellement, vous faites une différence, finalement, du fait de noter et au fait de tourner la magnéto. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé à des interrogatoires ? Oui. Je me sens moralement totalement complice et totalement même solidaire de ces actes de torture, parce que
J'ai pas pu, j'ai pas su, j'ai pas... Je sais pas comment le dire. Faire autrement que d'être dans partie intégrante de ces unités de torture. Mais en plus, ce qui était en plus difficile, c'est que la plupart de ces interrogatoires, de ce type d'interrogatoires très, très musclés, ils se passaient dans ce sous-sol où il y avait toutes les cellules qui étaient à côté, où tous les autres prisonniers, où il y avait des fois jusqu'à une vingtaine de prisonniers qui étaient enfermés dans ces petites cellules à côté, quoi. Donc la plupart des détenus pouvaient voir en partie, souvent d'ailleurs, ce qui se passait, parce que les portes de ces cellules étaient en général des... Il y avait souvent des fentes dans ces portes de cellules, et en plus, ils entendaient tout ce qui se passait, pratiquement. Alors, il y avait des combinaisons très diverses sur ces problèmes-là, pour essayer de faire parler, aussi bien faire parler des gens devant l'autre, en faisant essayer de torturer un père devant le fils, ou l'inverse, ou un enfant... Il y a même eu des enfants assez jeunes qui ont eu des tortures qui n'ont pas été très, très violentes, mais quand même, devant les parents, quoi. Quand vous dites assez jeunes, c'est quel âge ? À partir de 12 ans, quoi. Puis tous les viols, aussi bien hommes que femmes, les hommes étant violés soit par des bâtons, soit par les canons de fusil, de pistolets ou autre chose. Et puis les femmes violées aussi bien, j'allais dire, par des objets divers que par les sexes des soldats, quoi. Et en plus, il est arrivé très souvent que des femmes soient raflées simplement pour être violées dans cette période, pour servir pour les soldats qui étaient là, quoi. Oui, pour avoir une idée de l'étendue de la pratique, vous, dans le temps où vous étiez là, dans cette ville-là, vous avez assisté à combien de ces séances? Est-ce que vous pouvez chiffrer ce que ça représentait comme gens torturés? Je serais tenté de dire qu'il y avait bien en moyenne une dizaine à une quinzaine de personnes qui étaient très sérieusement torturées par jour. Alors si vous faites le compte sur 30 jours, parce qu'il n'y a pas de samedi et dimanche, il n'y a pas de jour férié dans ce type d'activité, ça fait dans les 300-400 par mois. Sur 400, ça fait bien entre 4 et 5 000 personnes qui ont été torturées dans la villa pendant la période où j'ai été. Je pense que quand même, c'est important, quoi. La torture. Aucun acte de torture ne s'est produit à ma connaissance, ni à la vôtre, depuis la venue à Alger du général de Gaulle. Il ne doit plus s'en produire désormais. Dès son retour au pouvoir, le général de Gaulle interdit le recours à la torture. Lors de ses tournées des popotes, il répète que le téléphone doit servir pour parler, non pour faire parler. En vain. Sur le terrain, les militaires font la sourde oreille. En visite au PC de Bijard, de Gaulle lui demande que cesse la torture. Plus tard, Bijard confie à ses officiers. De Gaulle a dit « plus de torture ». Alors messieurs, je vous dis, plus de torture, mais torturez quand même. Quand elle danse, nulle autre fille n'a sa cadence. Quelle présence, quelle prestance, il y a vraiment de quoi tomber en transe. Le camp militaire, c'est quoi? C'est un rectangle de 50 mètres sur 50 mètres, dans lequel on vit ici à 60 personnes, 24 heures sur 24. Ce qui fait qu'il y a une exaspération. Imaginez cette énergie qui peut se dégager de ces jeunes qui ont 20 ans, qui sont en pleine forme, en pleine santé, et qui sont sans occupation.
autre que de boire des canettes de bière parce qu'il fait chaud, ou de voir ces allées et venues de prisonniers, ces interrogatoires. Donc il y a une décharge électrique permanente, et puis il peut y avoir aussi des sentiments de violence contenus qui se déchargent. On se trouve incorporé dans un groupe de 10, entre 10 et 25 soldats, ça dépend des périodes. Ce groupe, il est constitué, il a des règles de fonctionnement, une discipline quand même militaire, où des habitudes sont prises, où chacun a un peu une fonction, a une réputation. Si vous ne suivez pas le comportement du groupe, vous devenez un marginal, vous devenez un rebelle. Il y a beaucoup de risques, évidemment. Il faut avoir la force de le faire. Bon, et puis, il y a toujours ce fameux argument, si tu le fais pas, t'es un dégonflé. Bon. Chrétien, instituteur, Jean-Yves Templon effectue son service militaire en Grande-Kabylie. Un jour, brutalement, il découvre la réalité odieuse de la guerre. Il découvre en même temps que le spectacle du mal peut captiver. Donc, dans une petite grange, je me souviens très bien de l'endroit, une grange qui devait servir, bon, il y avait encore de la paille ou du foin, je sais pas trop, bon. Et dans cette grange, bon, pour la décrire, c'est intéressant de continuer ça, oui. Bon, je me souviens qu'on avait aménagé une mezzanine sur la gauche, dans laquelle dormaient, oh, je dirais bien qu'il y avait au moins six militaires, six appelés, là, qui dormaient. Bon, on y accédait par une petite échelle de meunier, bon. Et l'intérieur de cette petite pièce-là était tapissé de photos pornographiques. Moi qui venais, si vous voulez, ça aussi, moi j'avais jamais vu un bouquin porno, j'avais jamais, bon, je découvrais, bon, que on pouvait, alors il y avait une espèce de fascination, évidemment, malsaine, bon. Et dans cette grange, bon, ben j'ai vu amener un homme, un suspect, comme on disait à l'époque, bon. Alors, pourquoi j'étais là à ce moment-là? Pourquoi j'étais là? Je ne dormais pas dans la mezzanine. Pourquoi je me suis trouvé là à ce moment-là? Là, je suis incapable de le dire, mais enfin, j'étais. Hein. Et j'ai assisté finalement à quelque chose terrible, mais qui m'apparaît maintenant comme un rituel, comme quelque chose dont on connaissait l'introduction, le développement, la conclusion. Ça se déroulait, bon, on avait l'impression qu'on savait comment s'y prendre et que ce n'était pas la première fois. Bon. Alors, cet homme, bon, moi j'ai des détails très précis qui me restent et qui sont toujours terribles. Hein, c'est de... Cet homme a été attaché, bon, il y avait une petite poulie dans cette grange, bon, qui devait servir à monter les bottes de paille, bon, et on l'a attaché par les mains, bon, en haut, et il y avait le fameux Gégène, c'était pas le téléphone de campagne, là, c'était un modèle beaucoup plus perfectionné, enfin, un modèle dont les pieds se repliaient, puis il y avait une petite selle, bon, enfin, ça devait être un modèle plus puissant, plus perfectionné, si je puis dire, bon. Et alors, bon, cet homme
commencé à lui poser des questions, je ne me souviens plus des questions, mais c'était toujours les mêmes, probablement pour avoir des renseignements, savoir si les Felaga étaient passés chez lui, s'il les avait approvisionnés, s'il payait les Felaga. Évidemment, bon, ben c'est... Cet homme, il a parlé ou... Non, cet homme n'a absolument rien dit. Alors, les électrodes, bon, c'est un... promené sur tout le corps. Bon, je me souviens même de cette chose atroce qu'on avait mis sous lui un tréteau de fer, un tréteau métallique, sur lequel... on le montait avec la poulie, puis quand on a vu que les électrodes, mais ça a duré longtemps, n'obtenaient pas de résultat, on l'a lâché, les jambes écartées sur le tréteau de fer. Bon. Puis alors, l'horreur pour moi, ça a été après, quand cet homme bon, qui geignait, d'entendre... Je crois que c'est un sous-officier, un sergent-chef qui commandait tout cela. Dire, aller chercher son enfant, aller chercher son fils, enfin, je me souviens très bien de cette parole. Bon. Et j'ai vu arriver bon, un gamin de, je dirais, moi, 13 ans, 12-13 ans. Bon. Et le gamin, entre les mains duquel on a mis une électrode et on l'a poussé à lui-même à torturer son père. Quoi. Bon, ça c'était un moment épouvantable pour moi. Et... Mais alors, ce qui me... Maintenant, quand je parle de cette scène, bon, que je ne peux pas banaliser, évidemment, bon, je suis très mal à l'aise moi-même parce que j'ai vu, bon, j'ai eu cela et je n'ai rien dit. Mais il y a autre chose encore de plus dur à dire peut-être, mais c'est que je n'étais pas le seul d'ailleurs, parce que ces militaires sur la mezzanine, je me souviens qu'il y en avait quelques-uns qui étaient les jambes dans le vide là et qui étaient comme au balcon, hein, qui assistaient un peu à ça. Bon. Et j'avoue que ce que j'ai ressenti, ben c'est une espèce une fascination, véritablement. Là. Je me suis rendu compte que on pouvait ressentir en soi une certaine forme de jubilation à assister à des scènes aussi extrêmes. Bon. Et maintenant, je rattache ça immédiatement à ces photos porno que je voyais dans la mezzanine. En me disant, mais au fond, y a un rapport évident entre les deux, c'est-à-dire on a instrumentalisé le corps. Hein. D'un côté, c'est pour le plaisir, de l'autre côté, c'est peut-être aussi une forme de plaisir à faire d'un corps ce que l'on a envie de faire, mais avec ses envies les plus malsaines et les plus profondes. Bon. J'entends encore tel officier de renseignement du bataillon se vanter de pratiquer l'étranglement progressif jusqu'à ce qu'il constate que l'individu entrait en érection, car paraît-il que lorsqu'on meurt par pendaison, avant de mourir, on a une érection, et donc à ce moment-là, il relâchait, et il recommençait, et jouissait avec ça, lui. Un jour, on m'a invité à venir pas assister à la torture par elle-même, aux exactions. Mais on m'a invité à rentrer dans la pièce. Le mec était étendu par terre. Je ne pense pas qu'il soit mort, mais il venait d'être torturé. Le Breton Yvan Le Boeck est affecté au 31e régiment d'artillerie, près de Sétif. Ce militant syndical, qui a le cœur à gauche, s'attendait au pire en arrivant en Algérie. Les scènes de sadisme qu'il voit dépassent ses craintes les plus noires. Un autre ? Au poste de police, là, par contre, là. Même pas dans ce local, au poste de police où tous les appelés dormaient et s'apprêtaient à aller monter la garde.
Là, le gars, il était blessé grièvement et il était allongé par terre, à côté du poêle. Et il y avait des imbéciles qui rougissaient le tisonnier et qui s'amusaient à le piquer. Et il était là, allongé, dans sa djellaba. Je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas. Moi, j'ai été lui porter un verre d'eau. Mais bon, il était trop faible, il ne pouvait pas accepter. Les imbéciles dont vous parlez, c'était les appelés. C'était les appelés, parce que bon, une grande majorité d'appelés n'auraient jamais fait ça, mais il y avait toujours une poignée de gens aussi un peu, malheureusement, imbibés d'alcool et qui se permettaient de faire ça. Des exactions comme ça, alors là, je peux vous en raconter. J'ai été étonné de voir que des copains de village pouvaient avoir des comportements, alors qu'ils pouvaient être l'épicier du coin ou des garçons gentils et tout, des comportements racistes, sadiques et inexplicables. Mais ils étaient une minorité, mais ça existe. Alors je me souviens une autre fois, par exemple, il y avait un quand on rentrait encore d'une sortie, il y avait un prisonnier qui était allongé dans le patio, et il y avait un chien là qui était en train de l'exciter, et les tortionnaires et quelques appelés étaient autour et ça avait l'air de beaucoup les amuser. Le racisme aussi, parce que ça, faut en parler. C'était quand même ils étaient considérés comme des sous-hommes, hein. C'était ça, hein. C'est ça qui m'a choqué quand je suis arrivé. J'ai bien vu les Européens du village, pas tous. Il y en avait malgré tout qui ont toujours été, qui ont toujours respecté les Français musulmans. Il y en avait. Mais par contre, il y en avait d'autres. Un jour, une commerçante a proposé à un appelé de ramener des oreilles de Felaga. Et on lui paierait l'apéritif. Pensez bien que le lendemain, le premier type qui se baladait sur une piste là, combien, à 3 km de chez nous, il a été abattu. C'était une personne âgée, c'était un berger. Il n'a pas répondu assez vite aux sommations. Enfin, bon. On lui a coupé les oreilles. On a ramené les oreilles dans un mouchoir. On a mis les oreilles sur le comptoir et il a eu sa tournée d'apéritif. Vous l'avez vu, ça ? Bien sûr, j'ai vu les oreilles. On me les a fait voir. Les oreilles dans un mouchoir, oui, ça ressemble plus à des oreilles, c'est tout blanc. Mmh.
Les copains me disaient, allez, viens, on va au foyer, on va boire un coup, puis on va chanter ensemble, tu vas nous diriger des morceaux. Et puis, je vais vous dire une chose, on s'amusait beaucoup parce que on n'avait pas envie de voir la guerre. On faisait des soirées extraordinaires. Surtout quand on était dans la musique, il y avait beaucoup de musiciens. Alors on chantait. Pour oublier certainement. Il y avait deux facettes en nous. Hein, il y avait vraiment deux facettes en nous. Et puis il fallait bien parce que sinon, on aurait crevé. En fin de compte, on s'habitue. C'est facile de s'habituer des souffrances d'autrui. On avait bien d'autres occupations, donc la priorité, c'était de sauver sa peau. La priorité, avec les copains, de tenir le coup jusqu'à la quille. Et on apprend à devenir cynique. Mais en réalité, même si on a l'impression de s'habituer, c'est toujours un peu choquant. Je me souviens une fois, on arrivait aussi d'une sortie, d'une patrouille, on traversait le patio, et il y a un hurlement extraordinaire. Je n'ai jamais entendu ça après. Et avec les copains, on s'est arrêté, on était figé, on s'est regardé un petit moment, et puis on est reparti dans notre chambrée. C'était le grand silence. Ce qui est dur, ce qui est très très dur, c'est le renouvellement quotidien de ces atrocités. Une douleur ou quelque chose, on peut arriver à s'accoutumer. Je crois que ce type de choses, on n'y arrive pas à s'accoutumer. J'ai l'impression que la plaie est... Elle augmente et elle se creuse de plus en plus et que ça devient de plus en plus dur. Ça devient invivable, insoutenable et... Quand même, vous n'avez pas l'impression que vous étiez tombé sur une bande un peu spéciale, que cette Villa Cisigny, les appelés qui étaient là, n'étaient quand même pas représentatifs de l'ensemble des appelés qui faisaient la guerre d'Algérie. Non, les gens qui étaient dans la Villa Cisigny, ils n'étaient pas excités. Tout se faisait de sang-froid, calmement, etc. L'activité quotidienne de la Villa Cisigny, c'était quelque chose de fait sciemment, froidement, méthodiquement. En fait, c'était des jeunes hommes ordinaires qui torturaient froidement. C'est arrivé à ce degré d'abjection, oui. Effectivement, je pense que dans des conditions données, je pense que ça peut pas se faire n'importe comment, quand n'importe comment, mais je pense que dans un conditionnement donné, dans un moment donné, ça peut se faire par n'importe qui. Je crois que les appels étaient très conditionnés pour faire n'importe quoi. Et le conditionnement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'absence d'éthique, l'absence de retenue. Et ça, j'ai pas compris. Je ne comprends toujours pas, d'ailleurs. Mais c'est peut-être aussi... Qu'au fond de l'être humain, il y a une espèce de bête immonde, si vous voulez, qui est réfrénée par l'éducation, par effectivement l'environnement, par l'éducation parentale, mais placée dans un milieu aussi hostile à l'Algérien, placée dans des circonstances où, si vous ne faites pas ça, vous êtes le lâche des copains, vous êtes le traître. Ça m'est arrivé de me faire traiter de traître, moi, parce que j'avais refusé de réanimer un Algérien torturé. Les gens se laissent aller. Ils n'ont pas, comme on dirait en psychanalyse, ils n'ont pas assez de surmoi, assez de défense pour résister à ça. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Toutes les barrières tombent. Peut-être que dans 500 000 ans, on commencera à voir ce que c'est qu'un homme. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, la part animale en l'homme est encore très, très, très présente. Et la part d'animal en l'homme, moi, je l'appelle le péché. Je suis persuadé que tout seul, pour résister, pour se rebeller en face de situations de ce genre,
faut avoir des... ou bien des qualités exceptionnelles, bon. Ou alors avoir eu une éducation qui vous prépare à vous opposer à un certain nombre de choses comme ça. Hein. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit critique, est-ce que c'est la culture? Je ne crois pas que ce soit la culture. Je ne crois pas, je me souviens, moi, au petit séminaire, j'avais fait mes humanités. Hein. J'avais fait du grec, du latin, j'avais étudié tous les anciens, j'avais, bon, la Bible, etc. Bon, ça ne cette culture, finalement, vous a servi à rien. Cette culture ne constitue en rien un rempart contre des situations de ce genre. Bon, la culture, non. La religion, bah, apparemment, enfin, je n'ai sans doute pas été un cas particulier, mais je pense que ça n'a pas non plus été un rempart efficace, parce que, bon, parmi ces appelés, je pense qu'il y avait une majorité qui avait eu une formation religieuse, une formation chrétienne, bon. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Au nom de quoi? Enfin, qu'est-ce qui peut faire qu'on s'oppose? Ben, il faut chercher peut-être au-delà, du côté des valeurs universelles, et puis se refuser à avoir quelques principes auxquels on tient en toute situation et ne jamais déroger à ces principes, sinon c'est le doigt dans l'engrenage et puis on se laisse aller petit à petit à des situations terribles. Je sais pas, ça m'a rendu peut-être plus tolérant, c'est assez bizarre à dire, quand je le dis, ça me semble assez bizarre, plus tolérant vis-à-vis de gens qui se trouvent dans des situations comme ça, parce que je me dis que n'importe qui mis dans ce type de situation est capable de faire la même chose, n'importe qui, vraiment. Sauf à avoir une force de caractère exceptionnelle. J'ai plusieurs fois été convaincu que si je n'étais pas à continuer à suivre le mouvement, j'étais condamné à je ne sais quoi, mais que je n'allais pas m'en sortir indemne, totalement. Comment vous faisiez pour tenir le coup, finalement? Je ne sais pas si j'ai résisté. Vous avez quand même résisté, puisque vous êtes resté... Résisté. Aujourd'hui, quand vous pensez à ça, vous dites que vous auriez pu faire autre chose, qu'il était possible de faire quelque chose, ou que la situation était tellement fermée que vous étiez finalement prisonnier de cette situation? C'est même plus prisonnier, c'est... C'est même pas prisonnier, on est dans une situation où il est vraiment incapable, c'est pas possible. La guerre d'Algérie n'en finit pas de finir. Sur le terrain, l'armée française a gagné. Politiquement, le FLN est vainqueur. Désormais, la population est acquise à la cause de l'indépendance. De Gaulle reconnaît l'Algérie algérienne qui se manifeste dans la rue lors de ses voyages. Les négociations s'engagent en secret. La paix est en vue. Les desperados de l'Algérie française refusent la marche à l'indépendance qui semble inéluctable. Charles Salan et Jouhaud tentent un putsch qui fait pchit. Soldats perdus et pieds noirs désespérés fondent l'OAS qui alimente une guerre civile de plus en plus cruelle.
Certaines têtes brûlées prennent même le maquis pour continuer le combat de l'Algérie française. Claude Ranfin participe à cette aventure sans espoir. Il est fait prisonnier par le FLN. On est tombé en embuscade. Là, il y avait un regroupement de la Wilaya 4, de plusieurs Katibas, qui nous sont tombés dessus. On a accroché, il était 2h30. J'étais prisonnier le soir à... Il devait être 18h quand j'étais prisonnier. Qui commençait, bon, c'était des coups. On était... Ils nous avaient attachés dans la ferme. Là, il y avait... Moi, j'étais attaché après un anneau de... Comme on attache les vaches, là. J'étais attaché là. Ils nous avaient mis tout... Moi, j'étais tout nu, devant les femmes, déjà. Bon, bah, c'est... Ça, c'est un peu le principe pour faire perdre un peu les moyens à quelqu'un qu'on interroge. Bon, alors c'était les matraquages. Après, bon, ben... Bon, ils ont dit, mais on va vous montrer comment vous voyez, les Français, comment c'est que vous faisiez, etc. Tu vois, lui, il est passé, il a été pris par les Français, ce qu'ils lui ont fait et tout. Bon, ils se sont amusés à me mettre un fil à la verge, un autre à l'oreille. Bon, et puis on voyait du courant, quoi. Bon, je savais l'effet que ça pouvait faire, quoi. Bon, ben, après. Bon, après le matraquage, après il y en a qui m'ont dit bon on va te couper la gorge. Et il était là, il a affûté le couteau pour me foutre la trouille, quoi. Bon ben on y croyait vraiment. Hein. Et vous pensiez à quoi pendant que vous étiez torturé? Je vous dirais que vous êtes dans le brouillard. Vous êtes carrément dans le brouillard. Vous prenez des coups, bon, au début ça fait mal. Il m'avait défoncé les côtes avec leur canne de montagne là. J'avais tout le dos zébré. Après, il s'était amusé, d'ailleurs, j'avais toujours les traces sur la poitrine. Il s'était amusé à me taillader au couteau un peu la poitrine. Bon, j'ai dit, bon, ben, c'est... Je souhaitais une chose, j'ai pensé une chose, c'était qu'il me tape un coup sur la tête, qu'il m'assomme avant de m'égorger. Parce que j'avais quand même, je savais qu'il pratiquait l'égorgement, j'avais quand même vu des photos, je sais qu'il pratiquait, qu'ils émasculaient, et tout ça. Donc j'ai dit, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous le faire. C'était à ça qu'on avait le plus peur, quoi. Vous pensiez que vous étiez foutu? Ah oui, oui. Ah oui, pour moi, j'étais foutu, hein. J'étais foutu. C'était quand même une drôle de situation dans laquelle vous étiez, parce qu'en quelques mois, vous étiez passé de tortionnaire à torturé. Quel effet ça faisait? J'aime pas tellement le mot torsionnaire. D'accord, quand même. Hein. Mais bon, enfin, vous subissiez ce que vous aviez fait. Oui, ouais, si vous voulez. Oui. Le 18 mars 1962, les représentants de la France et du FLN parviennent à un accord. Le cessez-le-feu est signé, la guerre civile continue. Dans les grandes villes, à Oran et à Alger, les commandos de l'OAS s'attaquent à l'armée française et tuent des appelés du contingent. Dans le Djebel, le FLN, qui s'apprête à s'emparer du pouvoir, poursuit ses exactions, enlève des Européens qui disparaissent et exécute les harkis que le gouvernement français lui abandonne. Au cessez-le-feu, bon, je ne savais pas trop quoi faire, mais moi je savais une chose, c'est que je ne partirais pas. Au fond de moi, j'ai toujours eu un doute que je voulais éclairer. Que ferais-je? Et inconsciemment, mais très fort, sentiment très fort, dans le fond, je me suis laissé enlever pour un peu, je ne dis pas si pour expier, ce serait trop fort. Mais en fait, j'étais content qu'on m'arrête, j'étais content. Vous aviez envie de passer de l'autre côté du oui, miroir? Oui, j'avais besoin de ça. Si maintenant je vous parle de ça, justement, c'est parce que je suis passé de l'autre côté aussi. Et j'ai vu la différence, j'ai vu ce que c'est. Donc, ils m'ont arrêté en premier, le 30 mai 62. Hein.
Et puis, c'était le soir. Hein. Puis tout de suite, ils sont arrivés autour de moi, ils m'ont mis les mains derrière le dos, attachés avec une fourragère militaire. Ils ont dû la récupérer sur un soldat tué. Et ils m'ont enlevé ma montre, j'avais un petit peu d'argent dans la poche, je l'en prie. Hein. Et le lendemain, il y a d'autres qui sont venus me chercher. Ils m'ont emmené dans une salle pour m'interroger. Et alors là, j'ai connu une autre forme de torture où on n'essaye pas d'obtenir un renseignement. Hein. On essaie simplement de punir quelqu'un, de le faire mourir à petit feu, et c'est tout. Il vous torturait comment ? Un Scooby-Doo. C'était l'époque où on faisait des petits Scooby-Doo pour faire des porte-clés. Ils ont fait une canne, comme un nerf de bœuf. D'abord, plusieurs Scooby-Doo, et ensuite, Scooby-Doo de Scooby-Doo. Et ça avait un truc comme ça, exactement comme un nerf de bœuf. Alors les coups, ça faisait le tour du corps. Hein. Ça vous prend à une épaule, ça vous arrache la peau. C'est un peu le fouet, hein. Ça donne les mêmes blessures. Hein. Mais il y avait deux ou trois qui étaient pressés, qui voulaient aller plus vite, qui avaient des lames gilettes, qui voulaient commencer à me découper. Et puis il y en a un qui disait, non, petit à petit, il ne faut pas aller trop vite, on va déjeuner d'abord. Et quand ils sont partis pour déjeuner, j'ai réussi à passer les mains devant et enlever les liens. Puis j'ai attendu. Et quand ils ont ouvert la porte, je suis rentré dedans. Je suis sorti comme une flèche. Hein. Il y avait des barbelés, mais qui étaient en mauvais état. Ils les ont piétinés. Hein. J'ai sauté dans les barbelés, et par chance, je me suis pris les pieds, et je suis parti à plat ventre. Et pendant que j'étais par terre, une rafale de mitraillette, j'ai vu le sable, enfin la terre, tout ça, à 5-6 mètres de moi. Si je n'étais pas tombé à ce moment-là, j'étais bon. Et puis j'ai mis pratiquement toute la nuit pour arriver à Zasga. J'étais à la brigade de gendarmerie, et ils me connaissaient, ils n'ont pas voulu ouvrir, j'ai dû passer par-dessus le mur. Ils risquaient de me faire tuer par eux aussi, imaginez un peu. Et puis le lendemain, ils m'ont envoyé à l'infirmerie militaire. Je suis resté 5 jours, et puis je suis venu en France. Des milliers, des dizaines de milliers de harkis sont liquidés dans des conditions atroces. Le FLN veut effacer toute trace des Algériens qui ont choisi la France. Je pensais que les accords d'Évian étaient respectés. Par contre, j'ai eu des amis qui ont été maintenus là-bas en 62 et qui ont assisté aux scènes de violence du FLN par rapport aux harkis. Ça a été des choses qui aujourd'hui je considère comme étant la honte de la France. Mes copains harkis que j'avais avec moi tous les jours, et d'un seul coup, je ne les ai plus. Je suis un orphelin de cette famille des harkis. Je ne peux pas... Je ne peux pas supporter. C'était dur. C'était des hommes qui nous avaient fait confiance. On leur a dit, on ne vous laissera jamais tomber. Et la première chose qu'on a fait, on leur a tapé sur les doigts quand ils se cramponnent aux ridelles pour monter dans les camions, pour sauver leur peau. Vous avez été témoin de la liquidation de harkis dans cette période ? Oui. Oui, deux seulement. Deux seulement. Voilà comment ça s'est passé. On leur a fait boire de l'alcool à brûler et ils ont mis le feu. C'est tout. Vous l'avez vu ? Oui, ça, je l'ai vu, oui. Je l'ai vu. Je vous donne le nom du village. Oui. Je les ai vus. C'est pas très loin d'Azou-Meriem. Et là, on a vu arriver les premiers harkis. Dont un qui était dans la même guitoune que moi, que j'ai vu être interrogé, Ils étaient prisonniers, bien sûr. Ils étaient prisonniers, oui. Et on faisait quoi avec eux ?
Ah ben lui, ça a été... C'est incroyable ce qu'il lui en fait. Et le gars, il n'a jamais parlé. Enfin, moi, c'était le gars qui était avec moi, hein, le harki qui était avec nous. Il était attaché, il l'avait attaché avec du fil de fer. Il avait le fil de fer. Bon, avec tous les coups, ça a duré, mais ça a duré plus de 3 semaines de tout ce qu'il a pu subir. Même à nous, on n'a jamais su son nom. Il ne nous a jamais dit son nom. Il n'a jamais dit où il habitait. Puis on ne pouvait rien faire. Et il ne voulait pas qu'on lui donne à manger. Il avait brisé les reins, il arrivait plus à il se traînait comme un... Alors on essayait de le porter, il hurlait, le pauvre type. Un type qui avait 35 ans, un type costaud. Il en a bavé. Bon, puis après, les autres, bon, ben, ils ont fait ce qu'on appelle l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'ils vous pendent par les pieds et par les bras, et ils font du feu sous le ventre. Ils vous font cuire comme un mouton, mais vivant, hein. Vous l'avez vu ? Ah oui, je l'ai vu de mes yeux, c'est moi qui l'ai achevé. Je l'ai achevé à la pioche. Ah oui. Parce qu'autrement, j'allais l'enterrer, il voulait que je l'enterre, il est encore vivant, le gars. Oui, oui. Bon, j'en ai vu d'autres qui ont été embarqués, on sait pas ce qu'ils... Enfin, on savait très très bien ce qu'ils en faisaient, je sais bien que pour eux, c'était... Ils avaient trahi leur frère, quoi. Mais... Nous, Français, c'est nous, on les a trahis aussi. Hein. Le 3 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. L'ALN entre dans Alger. La page est tournée. On a pleuré quand il y avait la radio, hein. Ils avaient la radio, ils avaient les postes transistors là. Bon, c'était l'hymne national algérien. À ce moment-là, ils ont monté dans les camions et ils descendaient sur les villes. Et en traversant un village, il y avait encore de l'armée française. Et on était les 4 prisonniers dans le camion. Il y avait encore le drapeau. Ils n'avaient pas encore descendu le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on s'est mis tous les 4 au garde à vous dans le camion. Et on a salué le drapeau français. En revenant, pendant un an, j'ai pas dormi quand même. Je suis revenu tout seul. Personne ne m'attendait. J'ai pris le train, je suis rentré chez moi. Point. Je suis aussi perdu à mon retour que je le suis en arrivant en Algérie. Complètement sans repère, désaxé. Je mets au moins 4 ou 5 ans pour pouvoir à nouveau prononcer le mot Algérie, que j'avais muré et soustrait de mon vocabulaire, pour ne plus parler de ça et tourner une page. J'ai l'impression qu'on ne peut pas transmettre pour en fait faire comprendre dans son intégralité, dans sa profondeur, l'abjection de ce qui existait. On ne se libère pas du pire hein, quand on l'a vu. Je veux dire, je vis avec. Bon. On ne peut parler des choses que lorsqu'elles sont envisageables. Or, pour la plupart des Français, il n'était pas envisageable que la France ait fait ça. Donc ils ne voulaient pas entendre. Ils ne pouvaient pas entendre. Et donc on ne le disait pas. Thank you.
Thank you.